Le but de cette descente est de constater, de viser l'état d'avancement des stades en construction depuis 2012. La construction de ces stades omnisports n'est pas encore achevée. Pourtant, la société en charge du chantier a dit que c'est la totalité du fonds nécessaire. Pour le chef de projet de la société Albina, Ali Diabir, la clé de ces stades sera remise aux autorités en avril 2024. Parlant du retard après le décaissement du fonds, il a indiqué que cela est dû par l'absence de certains techniciens en vacances. Après le constat, le gouverneur de la province de Wadi Fira, général Ngote François Tatiko, s'est dit satisfait de l'état d'avancement des travaux. C'est presque à la fin, mais ce que je demande à l'entreprise, d'accélérer les travaux parce que l'État a versé la totalité. Il faut quand même que les travaux soient vraiment accélérés avant 2024, que cet état soit ouvert pour la jeunesse de Wadi Fira. Selon les techniciens, les travaux de ces stades omnisports ont atteint 91% des réalisations. Par la même occasion, ils assurent doubler d'efforts pour la finalisation de ces joyaux de sport.